Bonjour et bienvenue sur le plateau Santé Ville. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Bouger et s'alimenter au quotidien, financé par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, et animé par l'Institut Pasteur de Lille. Écoutons tout de suite Monsieur Éric Guyot, éducateur médico-sportif. Alors, notre action est d'agir et de promouvoir la santé auprès des publics et au plus près des publics suivant l'avancée en âge ou leur situation de vulnérabilité. Donc c'est promouvoir la santé globale et de façon un peu plus spécifique la santé au niveau cardiovasculaire. Alors l'action se déroule en deux temps. Donc on a deux ateliers animés en binôme par une diététicienne et un éducateur médico-sportif où on va aborder sur le premier atelier plutôt la nutrition sur la forme théorique avec beaucoup d'échanges interactifs au niveau de la population. Donc on s'adapte vis-à-vis des demandes et des besoins de la population. Le deuxième atelier est plutôt axé sur la pratique. Donc on réalise des tests de conditions physiques avec les personnes et il y a une animation beaucoup plus ludique sur les thèmes alimentaires. Que l'autre. Allez-y, tout doucement, tout doucement. Vous allez trop vite. L'impact espéré, c'est des changements d'habitude de vie. Ce qui est le plus difficile, c'est de changer ses habitudes de vie. Par contre, c'est ce qui peut apporter le plus de bénéfices sur sa santé et sur son bien-être. Donc en modifiant des petites habitudes, comme aller chercher son pain à pied, peut-être prendre un sucre au lieu de deux sucres, on peut apporter un bénéfice sur sa santé. Bravo. Merci pour l'accueil des participants et de la participation de M. Éric Guyot et Mme Witteragen pour leurs conseils. À bientôt.